Bonsoir Rav, merci pour tous vos enseignements. Je suis religieux et j'ai un seul frère avec qui on se parle le plus. Depuis des années, cette situation m'affecte. Il n'arrête pas de m'envoyer des messages de haine car je suis religieux. Il m'envoie même des menaces. J'ai essayé plusieurs fois de faire le shalom, mais il reste toujours avec beaucoup de haine et pour rien. Car j'ai toujours été un bon frère et je me suis beaucoup occupé de lui après le divorce de nos parents. Et même à mes parents, il parle aussi mal. Je pense qu'il est malade psychologiquement, mais que faire? Merci. Rav Tov Rav, toi dans l'école à Shiorim, ani dati, v'yashli arak ach echad, v'yma ach shili achshav lo medabrim, nartu lo medabrim echad mashani, bichlal shanim gvar, v'a situatia azot kohevet alai, v'u lo mafsik lishloach li mischonim shel sina, ki ani dati, v'afilu sholach li... איך אומרים וואי j'ai perdu le mot en hébreu. Chez Benadam, ma mère, il m'a dit, alors c'est, Ani a selecha kacha, Ani a selecha kacha. Iyumim, Iyumim. Ou Kolazman, Sholach, Iyumim. Nisiti, kama pamim, Nasat shalom ito. Aval kol pam, ou Yishaer, im arbe sina. Bishvil kloum, Ani Kolazman, iti achtov bishvilo. Gam, itasakti ito arbe. Acharei afilu, shal girushin, shal ahorim shelanu. Vegam, im ahorim sheli, ou gam medaber ra alehem, itam. Ani choshev, sheyesh lo בעיה פסיכי, אבל מה לעשות? תודה. ברור שמסכן היהודי, ברור שהוא מסכן, הוא סובל. זה סור כ... איסוף. אבל מה... הוא... האח הנורמלי. לפרר נורמל, והוא, לטיפה זה הקיסיון. אז הוא צריך... אין לו שום חיוב להיות איתו בקשר. זה... Vous, en tant que frère, vous n'avez aucune obligation d'être en lien avec lui, en contact avec lui. Ce n'est pas comme les parents avec qui on est obligé d'avoir des contacts. Ah, d'accord, c'est super si entre frères on peut s'aimer, être ensemble, ce serait super. Ah, bah, il m'a dit, mais si maintenant l'autre frère, le pauvre, qui ne se sent pas bien, il ne se comporte pas, le pauvre, vous n'êtes pas obligé d'être en contact avec lui. Mais malgré tout, c'est votre frère. Ça te fait mal qu'il souffre comme ça? Alors, fais le loi du remerciement et dis à Hachem. Maître du monde, je souffre de la situation avec mon frère. Merci. Merci pour toutes les souffrances que tu m'envoies par rapport à cette situation. Il faut que tu acceptes les souffrances avec amour. Mais Hachem, espérons que Hachem guérisse ton frère. Mais si il ne guérit pas du fait que tu acceptes les épreuves avec amour, Hachem va te prendre en pitié, il va éloigner ton frère de toi. Toi, tu dois toujours continuer à prier pour ton frère parce que c'est ton frère.